The Voice 7, la finale, Maëlle première gagnante plébiscitée, Zazie aux anges. Ça y est, après de longues semaines de compétition, le public a décidé qui de Casanova, Raffi Arto, Zamurican ou Maëlle méritait de remporter la victoire, et d'être The Voice 2018. Ce samedi 12 mai, TF1 diffusait la finale de The Voice 7. En début d'émission, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et le dernier arrivé Pascal Obispo, avaient chacun un dernier talent dans leur team. Qui est le grand gagnant du concours? Suspense. L'émission débute avec l'interprétation du titre Voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert par les quatre coachs. Maëlle, Raffi Arto, Zamurican et Casanova font ensuite leur entrée pour terminer la prestation à 8. Raffi Arto team Florent Pagny. Raffi Arto est un jeune prodige de la musique. Très à l'aise derrière un piano, le jeune homme n'a pas son pareil pour faire lever un public. Ce soir, pour décrocher le titre suprême, le talent a décidé de reprendre Footloose de Kenny Lobjain. Un choix ambitieux. Florent Pagny conseille à son poulain, lors des répétitions, de ne pas hésiter à ajouter un peu de grain à sa voix. Ce qui serait génial, c'est de gagner The Voice avec du rock'n'roll, lâche-t-il plein d'espoir. Sur scène, Raffi apparaît dans un décor de vieille télévision en noir et blanc. Son chant est assuré, l'énergie est au rendez-vous comme à chaque fois. Une fois revenu en couleur, le jeune homme donne tout, à l'aise au milieu des danseurs. Il fait le show. C'est terrible ce que t'as fait depuis toutes ces semaines, c'est super. T'es trop fort, t'es juste complet, t'es magnifique, estime le coach Florent Pagny. Maëlle team Zazie. Au fil des semaines, Maëlle, 17 ans, s'est imposée comme la chouchou du public grâce à sa voix incroyable, et ses prestations léchées malgré son très jeune âge. Ce soir, histoire d'enfoncer le clou, la candidate a décidé de reprendre l'Excel Sign of the Times d'Harry Styles. Un choix audacieux qui devrait lui aller à merveille. Malheureusement, la jeune candidate a une trachéite, ce qui inquiète beaucoup Zazie. Je lâcherai pas, ce serait bien qu'une fille gagne pour une fois, lâche Maëlle très motivée malgré son petit handicap du moment. Sur scène, Maëlle, très en beauté, propose une version soignée du tube de l'ex One Direction. Zazie chantant en même temps que sa protégée, comme en symbiose avec elle. Les éclats de voix de la jeune candidate sont maîtrisés, c'est une jolie proposition, qui devrait beaucoup plaire au public. Pour moi, tu es la plus belle des voix, a commenté Zazie très satisfaite. Casanova team Mika. Véritable outsider de la compétition, Casanova a gagné sa place en finale grâce au soutien indéfectible du public. Pour rappel, le jeune homme avait été éliminé face à Maëlle, mais avait retrouvé sa place dans la compétition, lorsque cette dernière a quitté la compétition. Ce soir, pour défendre ses couleurs, le jeune homme a choisi de reprendre Formidable de Stroma, un artiste décidément beaucoup repris dans le télécrochet. Lors des répétitions, Mika a demandé à son poulain de ne pas chercher à faire du joli, du faux. Sur scène, Casanova propose une prestation presque théâtrale sur le texte de Stroma. Évoluant au milieu des danseurs, interagissant avec eux, le jeune Corse ne fait aucune fausse note, et prend réellement possession de la scène. Il est un peu moins sage, et c'est vraiment pas mal. Florent Pagny est ému aux larmes par son interprétation. Zamurican team Pascal Obispo. Depuis le début de The Voice 7, Zam arrive à épater le public avec ses propositions habitées, très rock. Pour cette finale très regardée, le jeune homme a décidé de surprendre en proposant une reprise de Charles Aznavour, comme ils disent. J'adore cette chanson, elle prône la différence, lâche le talent. Pascal Obispo veut qu'il soit 100% artiste sur scène, et pas un simple chanteur. Le coach lui dit qu'il est un outsider, et qu'il doit se défendre s'il souhaite repartir avec la victoire. Sur scène, Zamurican apparaît à demi maquillé face à un projecteur, vêtu d'une robe à paillettes cachant un pantalon noir. Côté homme, côté femme, il se déshabille progressivement, et finit torse nu sur scène. Son interprétation est canon, son chant irréprochable. Après ses quatre prestations, les finalistes rendent hommage à la chanteuse Morane, disparue en début de semaine, en reprenant son tube sur un prélude de Bach. Mylène Farmer, Maître Gims, Vianney, Amel Ban, Amir, Lisandro Cuxi, KENDJ Girac, Chaque J Sting présent. Si Mylène Farmer est simplement venue chanter son nouveau single Rolling Stone à l'occasion de cette finale, d'autres artistes ont accepté de partager la scène avec les talents. Zamurican a le privilège de pouvoir chanter avec Sting et Chaque J. C'est sur le titre Englishman in New York que le trio se produit. Zam n'a pas à rougir de sa voix face aux deux piliers de l'industrie musicale internationale. Casanova, talent de Mika, a donné de la voix avec Amel Ban. C'est sur le titre Que je t'aime de Johnny Hallyday que le duo tente de mettre en avant l'équipe du chanteur de Relax, Take It Easy. Maëlle, potentielle première femme à gagner le concours, a eu la chance de partager la scène avec Vianney.
C'est sur le titre « Je m'en vais » qu'elle a une nouvelle fois montré l'étendue de son talent. Ses envolées ont donné beaucoup de relief à la mélodie de Vianney, une vraie réussite. Raffi Arthaud a pris possession de la scène en compagnie de Kenji Girac, le gagnant de The Voice qui a rencontré le plus de succès. C'est sur le titre Andalous que le duo se produit. On ne va pas se mentir, Raffi ne semble pas 0-0% et laisse sur ce titre tempo, et sa voix peine à se faire entendre face à Kenji. Suite à ses performances avec les stars, c'est avec les coachs que les finalistes donnent de la voix. Xamurica et Pascal Obispo reprennent la bombe humaine de téléphone. Raffi Arthaud et Florent Pagny, la boîte de jazz de Michel Jonas. Mickey et Casanova ont repris God Be a Stranger de Supertramp, performance durant laquelle le coach s'est emmêlé les pinceaux mais l'a assumé en direct. Maël et Zazie ont repris Seras-tu là, de Michel Berger. Qui est le gagnant? L'heure du verdict a sonné. Et la grande gagnante de The Voice c'était Maël avec 55,3% des voix. Très heureuse, Maël, émue aux larmes, a tenu à remercier sa coach Zazie.